Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo, on est le 31 août 2016. D'ailleurs, je profite pour passer un petit coucou à la Manjaro 1608 qui normalement doit sortir au mois d'août et qui n'est toujours pas annoncée sur le site officiel. Coucou Manjaro! Voilà, donc vous avez compris, je suis d'humeur un peu taquine ce matin. Donc, je vais vous parler de la Feren OS. C'est une base Linux Mint, revampée pour ressembler un peu à Windows 7 ou 10, avec pas mal de petits trucs, mais. Pour résumer l'idée principale, avant d'aller plus loin, MicroROS est battu, à son propre jeu. Oui! Bon, MicroROS, comme vous savez, c'est une vieille distribution qui n'a pas vécu très longtemps, et dont la saga remonte à septembre 2014. Là, je vais vous parler de la partie, dirons-nous, visible de l'iceberg. Enfin, cachée de l'iceberg, la partie visible étant disponible dans l'article de blog que je vous conseille, parce que je ne vais pas vous spoiler tous les petits plaisirs. Pour préciser, cette distribution, c'est vraiment un générateur d'ulcères parce qu'elle contient tout ce qu'il ne faut pas faire. Ergonomie spéciale, choix de couleurs qui vous arrachent la rétine, liste de PPA plus longue que la Bible, le Coran ou la Torah, ce que vous voulez, donc c'est très long. Et pour me calmer les nerfs, outre le fait que j'ai pris du café dans ma belle tasse, Le Prisonnier, je vous conseille l'album suivant, voilà. Ça s'appelle c'est Elfika, le premier LP de Elfika. C'est du bon métal symphonique français. Je l'ai écouté pendant que je préparais la vidéo, enfin, que je préparais l'article et compagnie. Ça calme les nerfs. Vous inquiétez pas, je vous mettais tous les liens dans le descriptif. Donc je vous dis Elfika. Voilà, c'était la minute sponsoring culturelle. Ouais! Donc vous avez compris, aujourd'hui, on va bien rigoler. Ou presque. Trêve de bavardage, on est parti pour cet engin. Voilà, bon, ça passe directement en plein écran. Donc, c'est une Linux Mint 18 avec le dernier Cinnamon, un brin torturé, vous allez voir ça. J'ai précisé dans l'article, je vous le dis maintenant aussi dans la vidéo, l'ISO pèse 3,3 Go. Pour mémoire, l'ISO de la Linux Mint ne fait que 1,6 Go. Ouais! Apparemment, c'est moi, là je plaide coupable, j'ai fait une erreur en saisissant le nom de la machine sur le réseau. C'est pas grave, c'est pas mais grave. Donc, voilà, donc déjà vous allez comprendre pourquoi je vous dis que. Ouais, donc là, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Donc, côté choix de langue, c'est assez intéressant, s'il veut bien se mettre en route, voilà, vous voyez, on a l'anglais et le français. Donc, c'est un bon point. Alors, côté session, on va mettre Cinnamon en rendu logiciel, étant donné que le rendu matériel ne passe pas. Et même si on mettait en rendu matériel, il passerait directement en rendu logiciel. S'il n'y a pas le support nécessaire au niveau matériel. Donc là, on va. Excusez, je vais fermer la porte 30 secondes, enfin, la fenêtre. Donc vous voyez déjà. C'est très agréable, le fond d'écran n'arrache pas la rétine. Là, mon bon conseil est fermer les yeux pendant quelques secondes, tant que ça se charge. Bah, c'est chargé. Donc là, vous voyez que le fond d'écran, enfin l'écran d'accueil est très lisible, blanc sur blanc, ou gris, je ne sais pas si c'est blanc ou gris souris, c'est très lisible, n'est-ce pas? Donc, première chose qu'on va faire, c'est changer le fond d'écran. Parce que sinon, on va se retrouver avec la rétine transformée en saucisse de Strasbourg. Alors, on va mettre un fond sombre. Oh. C'est quand même déjà moins arrache-rétine. Donc là, je n'ai pas installé les codecs multimédia, je vais le faire immédiatement. Enfin, j'espère qu'il va bien vouloir le lancer. Donc vous voyez, c'est juste la Linux Mint revampée. Ah, ta bouche. Non, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Non, déjà, mettre un fond d'écran noir, c'est arrache moins arrache rétine que le fond d'écran blanc sur blanc. Si vous restez avec le fond blanc sur blanc, je vous conseille d'aller voir l'ophtalmo par la suite. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, on va installer les codecs manquants. Eh zut, j'ai mal utilisé mon mot de passe.
Eh punaise, j'ai pas les trous en face ce matin. Ce matin, je souffre de dysclavie. Voilà, c'est bon. Un seul exemplaire me suffira. Donc, étant déchargé. Donc, on peut voir qu'on a Vivaldi. Bon, on a bien sûr Nemo pour les gestionnaires de fichiers. Bon, c'est du franglais, mais c'est pas bien grave. Donc, il suffit juste de virer Pictures. C'est le seul truc en franglais qu'on élément. Ah, mais c'est juste les. On peut garder Pictures dans ce cas-là. C'est juste les fonds d'écran disponibles, apparemment. Donc, déjà, c'est en français. C'est le seul bon point qu'on puisse trouver pour le moment. Oh, Flash Plugin. Ah, oh, cette vérole. T'es encore vivante? Pardon. Donc, on va attendre que ce soit terminé. Non, comme je vous disais, quand j'ai lancé en mode classique ou en mode logiciel, rendu sur logiciel, ça n'aurait rien changé parce que sur VirtualBox, il est très difficile d'activer le mode de rendu matériel pour Cinnamon. Donc, l'un dans l'autre, ça aurait quand même décidé de passer en mode matériel. C'est bon. On ferme ça. Le logo est joli, ça fait un peu penser à de l'origami. Donc, le menu, c'est enfin, c'est Slinks Cold, qui est un ou Slingshot Launcher, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est une applette. Bah, Slingshot. C'est un clone du lanceur d'Elementary OS. Bon, c'est que le menu d'Elementary, enfin le menu de Cinnamon était fonctionnel. Par contre, on voit qu'il est quand même très lent. Je veux bien que les machines virtuelles ralentissent l'ensemble, mais il ne faut pas pousser. Je sais bien que j'ai un bousin vieux de 6 ans, mais sur ce bousin vieux de 6 ans, j'ai quand même utilisé GNOME 3.18. 3.16, je regarde GNOME 3.16, qui n'est quand même pas connu pour sa légèreté. J'ai pu lancer KDE, le Plasma 5.2 ou 3. Ou 5.7 points, enfin 5.6 quelque chose pour faire des essais. Donc quand même, ça ne ralentissait pas ce point. Donc on va voir les jeux. Play on Linux et Steam, oui. Ça peut peut-être justifier la surcharge pondérale. Oh, Xenview. Je l'utilisais quand j'étais sous Windows, il y a 10 ans. Donc il y a Jerry, Transmission, Vivaldi. Le Vivaldi, c'est le successeur d'Opera. Par les créateurs d'Opéra, de tout basé sur Blink. Donc on constate la présence de LibreOffice Writer et de WPS Office. Donc la Kingsoft Office qui, aux dernières nouvelles, pour la version Linux téléchargeable, est une Alpha 21. On va vérifier si c'est celle-là. Je pense que oui. Ouais, c'est la version Alpha 21. Très bonne idée de proposer une version Alpha à des utilisateurs. Ouais! Alors. C'est pas précisé, mais normalement c'est 9.21, oui. Parce qu'il suffit d'aller sur le site officiel, Writer, voilà. Donc déjà, il faut bien aimer. LibreOffice Writer 2016, la version 10. Donc automatiquement, c'est une version 9.21. Je vais vous prouver ça rapidement. On va sur Vivaldi. On va aller sur wps.com. Très bonne idée de rajouter un logiciel qui est en Alpha 21, n'est-ce pas? On veut se la jouer écologiste? Pourquoi pas? Donc, je vais directement sur wps.com. Allez. Ah, c'est bon. Ah, la seule bête.
La sale bête. J'ai dit que je voulais aller sur WPS.com. Sont demandés. Bah, WPS Office, on y arrive. Soit le site est très lent, soit c'est la distribution qui est très lente. À moins que ce soit un bug d'Opéra. Web of Trust, Adblock Plus. On va chercher quoi aussi là. Bon, ça ne veut pas se lancer. On verra après. Dans on a France, je sais pas ce que c'est. Ça m'inspire pas. On a Gambas et Atom. Pourquoi pas. On a Banshee qui est vraiment très développé. On a Winé. Alors les préférences, le problème c'est qu'on a l'impression que Slink Scroll est légèrement constipé. Enfin, il y a vraiment de problèmes de transit intestinal pour afficher une douzaine d'icônes. Allez, on est là. Vas-y, pousse-toi bien. On peut passer les icônes propriétaires, ouais, bon. C'est pas le plus important. Administration. Et le bloqueur de domaine, éditeur des confs, fonction de versement, GDB, laptop, moniteur système, logiciel, bref. Donc on va aller dans le logiciel peut-être. Alors on va chercher Office pour essayer de lister. La mise à jour. Bon, on verra plus tard pour la mise à jour. Installer la mise à jour, c'est quoi? C'est ça qui est très. C'est souvent les noyaux qui sont mis à jour. Donc là. Ah, ben je vais en profiter pour vous montrer une des erreurs. Voilà, donc ça, mis à part ça, bien sûr. Alors, si on va dans les préférences, dans les sources de logiciels, voilà. Alors là, vous allez voir, ça va pas être triste. Vous êtes prêts? Attention, c'est pas pour les cardiaques. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 dépôts hier. Bravo! Tout ce que j'ai à dire, c'est bravo. Alors, je vais essayer de voir. On va essayer de voir Synaptique. Synaptique, lui a dit 15 dépôts tiers. Comment elle arrive à démarrer sans exploser en vol? Je me pose la question. Et là, bon, on va essayer d'aller sur le site de la Linux Mint pour voir si ça cherche quelque chose. Parce que là, je commence à désespérer. Bon, on va essayer WPS. WPS.com. Est-ce qu'il y aurait un problème au niveau du site de Kingsoft Office aujourd'hui? Ou est-ce que ce serait un bug de Vivaldi?
index, blablabla, falloir les activer, blablabla. Ah, on va rechercher, merde, ça s'appelle WPS Office. Peut-être que cette fois-ci il va me trouver quelque chose. Office des potes, WPS Office. Kingsoft Office, WPS Office. Mais apparemment, WPS Office ne va pas passer. Ah, apparemment ça charge. Il y a du progrès. Voilà, c'est bon. Donc, si on va dans Get it now, à savoir récupère-le maintenant. Et on s'aperçoit que la version 10 point quelque chose est une alpha 21. Très bien de proposer un logiciel en version alpha. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'oubliais, l'ergonomie à revoir. Simple question, comment vous faites pour vous déconnecter? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Vous ne voyez pas? Allez, encore 5 secondes. Je vous donne la solution. Première idée, ça serait d'aller dans le menu déroulant. Ouais, il n'y a pas d'option pour se déconnecter. Non. Il faut passer par ici. Et cette chose-là, c'est la météo. On va voir si on peut avoir la météo affichable. Vous remarquerez aussi que vous n'avez pas d'horloge. Ouais. Alors, on va rechercher. Donc là, il va nous dire. Donc on peut penser que c'est une distribution néo-zélandaise, parce qu'il utilise une adresse néo-zélandaise, avant que ce soit le service néo-zélandais. Alors, donc ça, je n'ai plus besoin. On va fermer les onglets inutiles. Alors, vais essayer de vendre pour ma propre ville. Donc, c'est le 55, 57, 99, 13. On va le copier-coller. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça, sans ça. Voilà. Donc, on a enfin la météo. Assez agréable. Pour l'heure, vous pouvez vous asseoir. Il n'y a même pas d'horloge. Donc, c'est pratique à moins que vous ayez une montre ou. C'est bien, ouais, c'est bien de penser à une horloge. Donc, peut-être qu'en rajoutant une applette. Une desklette, comme ils disent si bien. Pom 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 pom. On va toutes les desklettes disponibles. Pom 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 pom. On va avoir les desklettes inactives. Il n'y a même pas. Ajouter au bureau peut-être. Voilà, juste pour ça. Voilà, si vous voulez l'heure, vous n'avez pas autre choix que de mettre ça. Paramètres date et heure. Afficher la date, tant qu'on y est, oui.
jour de la semaine, premier jour de la semaine par défaut. Voilà. Configurer. Mettre la prise 50, calendrier. Configurer. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, configurer. Personnaliser. Couleur du texte. Donc c'est très bien. Vous n'avez même pas de d'heure en ligne, enfin d'heure sur le bureau. Alors que c'est quand même une des fonctionnalités sûrement les plus utilisées dans les bureaux. C'est toujours pratique d'avoir l'heure sans avoir besoin de regarder sa montre. Voilà, donc que dire de plus? Comme je vous disais, la micro iOS a vraiment trouvé une digne héritière. Bon, Canvas, pourquoi pas, mais il faut vraiment voir l'utilité. Et France, je ne sais même pas ce que c'est. Là, je vous lance, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça sera la surprise du chef. Tu me diras, ça sert à quoi? C'est peut-être pour ajouter des services en ligne. Je sais même pas ce que c'est. Donc là, si vous savez ce que c'est, vous mettrez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Bon voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il y a Firefox aussi, pourquoi pas. Mais là, RxNView. On va voir s'il fonctionne. Mais XNView, je l'utilisais quand j'étais sous Windows, il y a encore une dizaine d'années. Je ne sais même pas s'il va se lancer. Bon, apparemment, il ne veut pas se lancer. Donc, on va arrêter le massacre et éteindre cet engin. Goodbye, oui, ouf. Donc, comme je l'avais dit en intro, ergonomie bizarre, liste de PPA plus longue que le texte sacré d'une religion monothéiste. Choix de couleur qui arrache la rétine. Moi, je m'excuse. Pourquoi autant de haine envers Linux Mint? Je me demande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!